Excusez-moi pour le téléphone. C'est pas ça qui va mettre en l'air ma vidéo. Par contre, je constate qu'il utilise énormément aussi les missiles. Donc j'ai rajouté des défenses anti-missiles tactiques. Un peu partout. Ici j'ai prévu le coup. Non. Donc un ici aussi. Un derrière. Un derrière déjà le gars. Et un là. Il y a une chose aussi que je crois que vous avoir dit dans la première vidéo, mais je vous l'ai pas dit, mais qu'un 14 de mars c'est maintenant une unité de tech 2 et plus de tech 1. Vous pouvez plus en abuser en début de partie. Bon, c'est un petit détail, mais je préfère toujours leur dire. Me faudra rapidement aussi avoir accès à base navale au nord pour y reconstruire ma propre base navale. Vous me connaissez, je suis toujours quelqu'un qui aime avoir plein de bases un peu partout. Donc voilà, mes défenses tactiques marchent plutôt bien. À savoir, je ne sais pas combien de missiles Saturn défense anti-missiles tactiques. Je n'ai pas l'information. Je pense que à partir de 6-8 missiles, la défense commence à avoir un peu de mal. Quoique, vu les croiseurs au nombre de missiles qui tirent des FTU, je pense quand même que ça doit pouvoir largement les arrêter. Vous en avez 2 ou 3. Ça me demande quand même, ouais. Ça fait quand même beaucoup. Enfin bon, c'est pas important. Par contre, nous, ce qui est un peu plus important, c'est d'avoir accès à notre arsenal d'artillerie. Alors sur cette map là, je vais abuser de l'artillerie stratégique de la FTU. À moins que... attendez, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je... Non, je n'évoque pas cette mission. Ce qui pourrait me faire changer de stratégie. C'est pas cette mission, donc non. Vous serez obligé de vous taper cette artillerie pour la construction de ces longues artilleries, etc. Alors, je peux te faire un truc, une porte quantique. La porte quantique, je vais me faire quand même des ingénieurs pour pouvoir faire autre chose que... Ben, en plongée... Nous avons retrouvé la cité perdue de l'Atlantis. Des sous-marins expérimentaux. Non, mine de rien, les noms des unités est très bien trouvé. Ravageur, écorcheur, HMS impulseur, archiduc, pulvériseur.
Après, bon, il y a d'autres unités qui. Voilà, par exemple, faux réacteur à fusion EG200, ça se voit que tu vois, tu te dis c'est des générations différentes, voilà. Comme ça, j'en aurai deux. Je vais faire sortir ma petite flotte de porte-avions expérimentale. Non, non, pas bodyblock. Voilà. Donc là, j'ai commencé à construire mes Mavors. Qui me seront d'une aide inconditionnelle pour réussir la mission. Tant pis. Voilà. Comme ça, j'aurai un peu plus de ressources, je peux me permettre de faire autre chose, vous voyez. Que si je vous laissais tourner pendant que j'en suis que des Mavors, là, vous auriez ennuyé, quoi. Donc on va continuer à construire notre base en parallèle. A savoir quelle stratégie j'utilise dépend de la faction, bien évidemment, que j'utilise. Par exemple, avec les Aeon, avec les UBC de soutien, je ferai des UBC. Excusez-moi, je réinstallerai un téléporteur. Et je laisserai mon commandant au principal en tant que ressource. Quoique, non, j'ai même pas besoin. Non, j'ai rien dit des Aeon, j'en ai même plus besoin maintenant que j'ai le générateur de ressources expérimentales. En fait, c'est ça, c'est tellement. Quoique, ouais, ça peut quand même être utile quand même qu'ils aient un téléporteur, un SBC de soutien pour. Et le seul moyen de briser les ondes là, c'est de foutre un radar, un omni-radar à portée. Et là, au lieu de voir tous ces signaux d'écho que vous voyez dessus, comme on voit là, ben vous voyez plus rien. Et à savoir que vous reconnaissez facilement le cristal parce qu'en fait il y a toujours un carré avec un osange au même endroit. C'est comme ça que moi je reconnais les cristaux à force. Et c'est un petit drone de tech 1. Toc. Je crois que vous l'avoir jamais présenté donc. Voilà. Il se fait tellement avoir aussi facilement qu'au bout d'un moment vous dites stop, j'arrête de l'utiliser. Bon, 27 × 10, 270. On va faire ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent encore me faire? Peut-être me construire un nouveau générateur de bouclier. C'est aussi des îles, quand je suis sur une île, j'ai tendance à foutre énormément de générateurs de boucliers. Consomme. Alors eux ils consomment 48. Eux ils consomment 4. C'est-à-dire qu'ils construisent à 1/12 de vitesse de l'UBC. Enfin du. Ah bah voilà, je suis bête. On va comparer. Une minute. Il y a un souci, gars. De base, un commandeur de soutien construit ça en combien de temps? 5 secondes. Moi, je construis ça en combien de temps? En 3. Euh.
C'est-à-dire, mais c'est un peu, c'est pas dur de comparer pour savoir si on construit aussi. T'as quand même 72 de ressources en masse. Un UBC veut utiliser, un drone veut utiliser 4. Donc 48 plus le petit drone qui prend 4, ça veut utiliser que 52 en ressources. Donc les commandeurs de soutien construiront même avec leur drone plus lentement comme mon UBC. Par contre, mon UBC est l'unité qui peut construire plus rapidement des unités adverses. Pour une raison simple, c'est une unité qui peut construire plus rapidement. Attendez, hop. Allez, on va neutraliser un peu la base du milieu. Et vous voyez, mon allié fait quand même le travail. Je vais laisser. Je vais laisser quand même combattre tout seul. Les tirs avec quoi? Ils disent pas armement. Les envoies être méchants, mais je crois que j'ai quand même légèrement avantage. Ah, ils ont. Ah, si, ils ont des plateformes d'aéro-lancement là-haut. Voilà, on va raser un peu ce qui reste à raser. Eux ils construisent là-bas. Voilà. J'ai perdu que 11 appareils, ce qui est en soi très peu, compte tenu de ce que je viens de faire. Par contre, là, on voit que j'ai des soucis de ressources quand j'essaie de construire un peu plus lourd. Mais bon, c'est pas grave. Puis je mettrai en place après ma base navale une fois que celle-ci sera rasée. Comme ça au moins il n'y aura plus de brouillage. Voilà. À savoir que les murs ne sont pas considérés comme comme des bâtiments. Hein. Et là-haut, il va me bombarder. Là, 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 là. Je sais que j'ai pas fini mes fortifications, mais là, c'est vraiment plus du harcèlement. Pour redire qu'il est pas tout seul. Et comme ma map est assez grande, vous constaterez assez vite que je serai obligé de foutre un radar en plein milieu en fait. Voilà, le cristaux de la CLS ne marche plus. Voilà, ça fait boum.
Par contre, pas très précis, on va dire. Mais bon, c'est pas. Comme ça, au moins, leurs ingénieurs normalement seront obligés de. Ouais. Risa est quand même utile, comme je vous l'ai dit. Ah, quand même. En soi, à part avoir dégommé les deux positions là, a quand même neutralisé toutes les défenses autour de l'île, excepté les unités aériennes, mais ça je m'en suis occupé, c'est normal, leurs destroyers ne sont pas équipés pour ça. En parallèle, elle lance des assauts sur la base ennemie et on constate qu'elle a quand même fait pas mal trop mal de dégâts là-haut. Donc sincèrement, je pense que Risa a vraiment fait son boulot sur cette partie. Certes, c'est ultra scripté, les endroits où passent les unités, etc. Mais en soi, elle fait son travail, quoi. Ça dépend par rapport, par exemple, à la mission précédente, on avait vraiment une IA qui était là juste pour prendre les coups, hein, pour nous, qu'on soit honnête. On a une IA qui non seulement prend les coups pour nous, tant qu'on se développe, mais nous permet aussi de pouvoir s'appuyer légèrement dessus, quoi. T'es sûr que c'est des petites flottilles qu'elle effectue par rapport à mes troupes. C'est pas la même taille ni même budget, hein, on va dire. Il me faut que j'ai 30 000 d'énergie, il faut que j'ai en permanence pour ce lien d'autonomie, plus 10 000 pour mon téléporteur dans mon UBC. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai toujours 40 000 d'énergie en rab. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai même 50 000 en rab pour après pouvoir utiliser ces unités-là. Par contre, il est pas bête d'installer avec des autres factions ici des pièces d'artillerie de Tech 3. Des archiducs ou équivalents des autres nations. Ça, bien normalement, vous regarderez si vous voulez réussir ces campagnes, enfin, ces missions avec la faction que vous souhaitez. Je vous conseille de regarder les autres vidéos qui expliquent bien au détail, qui expliquera bien mieux chacune faction, étant donné que je jouerai la faction adéquate. Voilà. Donc maintenant, j'ai. C'est bon. Presque assez d'énergie, presque assez. Système activé. Donc on va se téléporter ici, on va construire ça, ça. On va construire un radar de Tech 3. On va construire double bouclier. Bonne petite voilà. On va prévoir quand même quelques bombardiers stratégiques, plus quelques frelons derrière. D'ailleurs, ça m'avait pensé qu'il y a une seule chose que j'ai pas prévue. C'est le sonore. Et là, je vais vous montrer, si je peux le construire, je vais vous montrer en fait un petit bug. Qu'en soi, normalement, le sonore serait limité à la zone là, mais en fait, si vous mettez là, vous pouvez voir tout ce qu'il y a autour. Ah, c'est des petites techniques comme ça. Vous profitez un peu en fait de certaines choses qu'on n'a pas pensé les développeurs au jeu, quoi. Et voilà comment on triche. Et là par contre, moi je vais commencer à construire ma base navale.
pas même. Voilà. Ma base navale risque d'être ultra massif par rapport au à celle de mes alliés. En pop, je suis quasiment full aussi, ce qui est génial. Et en énergie, j'en aurais besoin d'un bon paquet. Et ça, faut que ça soit en contrôle hein, aussi. Moi, mes usines aériennes mobiles vont retourner ici. Vous voyez, les 500 de pop, ça, on y arrive quand même très vite. La vidéo est ultra longue, je m'en excuse. Mais il me faut encore ces usines-là opérationnelles. Il y a quand même un chasseur de sous-marin Tech 3 quand même, anti-aérien, sonar, radar. Il y a quelques soucis de son aussi, si je m'en excuse. Ça va un peu vite quand même les dégâts qu'ils font. Il me faut... là il me faudrait en fait... En soi techniquement ça j'en ai plus besoin. Je vais quand même garder cette fortification là, c'est quand même assez pratique. Me faut une salve de croiseur et une salve de destroyer. Je construis juste une dernière fois ça. Et là, on va commencer à ouvrir le feu de manière totale et radicale. Là, vous entendez matraquer ma souris. Je n'ai aucun scrupule à tuer ma souris. Voilà. Voilà, maintenant on va commencer à consommer ma flotte de cuirassés. Bon, c'est pas que ça consomme autant de ressources mes cuirassés, mais bon. C'est quoi tuer mon commandant, ça, pour information. Avec ma propre artillerie. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Ici, on va raser ce bâtiment, ça prend de la pop. C'est-à-dire, je gagne légèrement moins de ressources que j'en y pense. Donc voilà comment vous faites pour exploser une base. Mais là vous comprendrez pour en fait la partie de la mission, vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'ai fait ça. Et il y aura probablement 3 parties pour cette vidéo aussi. Occupez-vous d'une base. Mais bon, ça c'est un détail. J'ai terminé. «
J'ai repéré deux bases ennemies dans votre secteur. Celle qui se trouve au sud-est est plutôt classique. Celle du nord-est est... Commandeur, j'obtiens des relevés alarmants en provenance de la base Seraphim au nord-est. Elle réunit une flotte d'étranges unités. Et vu leur taille, elles doivent être extrêmement dévastatrices. J'ai reçu une confirmation des informations de Burke. Les Seraphim construisent plusieurs bombardiers expérimentaux. Les mêmes que ceux qui ont rasé la Terre. S'ils décollent, la princesse Burke sera dans de sales draps. Détruisez les bombardiers ou leurs ingénieurs. Il faut à tout prix les empêcher de prendre leur envol. QG, terminé. Mais bon, nous, notre priorité, c'est... Voilà, c'est... Ça, on sait que ce point-là, c'est le cristaux de la céleste. Comme j'ai dit, un losange dans un carré, c'est le cristaux. Mes forces nettoient les zones que vous avez attaquées. Toute unité ou structure ennemie sera détruite. Risa, terminé. Ça, c'est des cristaux de la céleste du Orbe Blancheur. Ça, c'en est un aussi. Ça, c'est des usines. Je sais à peu près où sont leurs usines.